Désolé, hein. Ils ont commencé à attaquer mon direct. Ils ont commencé à attaquer mon direct. J'ai dit que... Ils ont commencé à attaquer mon direct. Ça trame. Le Tchad te dit bonsoir. Je salue tous les Tchadiens. Connectez-vous, on va finir le direct parce qu'on n'a pas que ça à faire. Contrairement à nous, on n'a pas que ça à faire. Moi, j'ai des envois à faire. La poste, ça fait quelques jours là, mes clientes m'ont envoyé leur argent. Mais on était en train de faire l'entreprise. Parce que quand tu fais l'envoi là, il y a envoi normal et puis il y a envoi d'entreprise. Donc on était en train de faire notre truc à la poste. Donc on a fini aujourd'hui. Je dois aller faire les envois de mes clientes. Tant pas longtemps, même tout de suite là. Donc partagez, on va finir ça vite vite. Je vais vous montrer ce qu'il y a. J'ai à vous montrer et puis on va finir ça. Donc je disais. Je ne vais pas attendre que vous soyez plus que comme vous étiez là tout à l'heure. On va commencer. Donc, je disais que... attends, je vais éteindre le ventilo. Donc, je disais... Pour vous qui nous suivez... Déjà, moi, je ne connais pas cette cette pétasse-là. Parce que hier, elle a fait encore une vidéo... C'est ma belle-sœur qui m'a parlé. Et puis, moi, j'ai pas peur d'elle. Hein. J'ai pas peur d'elle. Mais j'ai peur de la rendre célèbre, quoi. J'ai peur de... Parce qu'elle cherche à se faire connaître. Et pour ceux qui dénigrent mon mec, pour ceux qui disent que je suis sortie, c'est au Gabon, je suis arrivée, je vais où je veux. C'est un être humain. C'est parce qu'il me respecte. Si je me sentais pas bien dans la relation, je vais pas rester. Vous me connaissez pas, hein. Moi, si je me sens pas dans quelque chose, il reste pas. Il n'y a pas fait pour zier de quelqu'un. Zier là. Il ne cherche pas à zier pour avoir Apollo. C'est parce que la relation là. On me respecte dedans. C'est parce qu'on me respecte. Ben, il me sent à l'aise. Et si je dois laisser, je laisse pour moi, pas pour quelqu'un. Je ne savais pas qu'il était en couple. Et ce qu'elle raconte, c'est du gros n'importe quoi. Moi, j'ai rien à foutre avec. Donc, ce n'est pas pour elle qu'il a laissé ma relation. Voilà. Donc, qu'il soit, d'après mon grand frère, le bon DJ Publicité. Que c'est Michael Jackson, il est ceci, il est cela. Je me sens bien dedans. Vous qui cherchez les gars de Jay-Z, vous qui cherchez les gars de Chris Brown, vous qui cherchez les gars les plus beaux du monde, là. Il a cherché joli garçon jusqu'à il n'ait rien eu dedans. Donc, où je me sens bien, là, c'est là-bas, je me mets. C'est parce qu'il y a craché dans mon affaire, là, que je suis là-bas. Donc, le jour, ma tête va cogner, là. Je ne viendrai pas vous dire, je vais partir chouette sans faire de bruit. De toute façon, je me suis mise à lui, on est en couple, puis il n'y a pas de bruit. C'est pas cette pute-là qui est venue m'exposer, là. C'est comme ça, le jour, ça ne va pas me plaire, là. Je plie mes bagages, et puis je fais bon pied la route, je continue mon chemin. C'est calme, c'est tranquille. Voilà, c'est pas le premier, pas lui qui m'a dégagé, ça ne sera pas le dernier. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Si on est ensemble, ça va pas, ça sera un autre. Moi, je comprends. Parce qu'hier, elle a aboyé. Non, il m'a fiancé. Oui, il te fiance. Où est bague de fiançage? Quand le garçon t'a fiancé, là, tu montes la bague. C'est dans ta bouche. Le gars ne veut même plus te voir. Il dort, il se réveille dans mon téléphone. Donc, les bruits qu'elle fait pour pouvoir se donner le titre de femme, là. Moi, ça me regarde pas. Il ne fait pas parler des garçons. Si elle parlait, c'est parce qu'elle a attaqué mon pays et puis elle a attaqué ma famille. Sinon, là, moi, elle ne me met pas si Facebook veut parler des garçons. Garçons inversés, comme Dugu à Doukaflé. Je ne fais pas parler des garçons. Voilà. Donc, ne pensez pas que moi, je suis en train de faire parler des garçons. Mais vous ne m'avez pas vu en train de me battre pour un homme. Je suis désolée. Quelqu'un me menace depuis 3 semaines, bientôt 1 mois, qu'elle va venir m'afficher sur Facebook. Elle va venir faire ceci. Que je viens parler, vous allez dire que faire parler des. Vous savez ce que. C'est qu'on n'a pas fait parler de garçon. Lui, là, de toute façon, il est lui, là, c'est quand il peut le laisser.
En longueur de journée, on me drague. Moi, je ne passe pas inaperçu. Donc, parler de garçon, ce n'est pas pour moi. Voilà. Parler de garçon, ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc, sachez dire les choses. Et puis, je vous demande de respecter mon gars. Parce que je vois des vidéos. DJ Publicité, DJ, tu as fait une vidéo. Tu es mon grand frère. Je ne vais pas rentrer dans quoi que ce soit. Mais ta façon de parler de mon gars, je n'ai pas aimé. De toute façon, tu es là aussi. Il y a des gens qui ont des défauts sur toi, hein, mon frère. Grand frère. Voilà. Mais tu plais à ta femme, non? Ton modèle que tu as là, ta femme aime ça. Donc, façon tu es ton modèle, puis tu ne... Peut-être ton modèle, moi ta façon tu es là, ça ne peut pas me... Ça peut ne pas me plaire. Ça peut ne pas plaire une autre femme. Mais il y a une fille qui voit ton modèle, puis ça lui ça. Donc, si mon gars même ressemble à Zike, même s'il ressemble à Michael Jackson, même s'il ressemble à crevette, même s'il ressemble à crêpe là, c'est lui que je veux. Voilà, vous qui cherchez les mannequins, qui cherchez les gens qu'on a dessinés avec l'eau de miel là. Moi, j'ai cherché ça, la peur de lèvres là. J'ai cherché ça et puis il n'y a rien eu. C'est problème gourmet pour rien. Voilà. Mon gars, il n'était pas dans la relation. Moi, pourquoi je pensais, il n'était pas dans la relation. La preuve, elle l'a dit. Ça fait 4 mois, elle a chassé. Tu l'as déposé dans la poubelle, quelqu'un l'a posé, elle avait dit que c'est mon mari. On connaît les gens qui chassent les garçons et puis demain, elle vient dire c'est mon gars. Non. Donc, je ne l'ai pas rasé. Je ne suis pas allée prendre son gars. Je ne la connais pas. On n'est pas amis. Quand Apoutu la connaissait, je ne la connaissais non plus pas. Donc, je vous montrais. Je vous montrais. Donc, je vais vous remontrer ça tout à l'heure. Attends. Moi, ici... ordinateur de technologie. Peut-être que mon français, souvent, je n'articule pas bien, mais internet, portable, technologie, je maîtrise quand il n'y a pas. Je maîtrise jusqu'à il n'y a pas. Voilà. Vous savez que, il y a des choses que vous ne connaissez pas dans Facebook. Moi, je connais tout. Donc, quand je vois des gens se lèvent, aller faire des faux profils, je vais vous montrer ce que ces personnes ont fait. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Je retourne. Que ça n'a pas fait le même délire. Alors. Excusez-moi. Je suis sur ma tablette. Alors. Là. C'est des gens, ça ne me dérange pas de faire leur pub, si vous voulez aller vous abonner, c'est des gens qui ont des pages, qui m'ont invité à aimer les pages. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date ici pour dire qu'en telle date, on m'a invité, contrairement à la date imaginaire de capture d'écran qu'on vous a montré là-bas. Là. Il n'y a pas de date ici. Et vous avez un Facebook, allez voir ceux qui vous invitent à aimer les pages là, s'il y a une date. On me met ici quoi, afficher tout. Donc, il y a longtemps que j'ai été invitée. Donc, je vais faire afficher tout. On me met là. Invitation. Putain, les gens de Snap là. Invitation. En attente. Je vais essayer de descendre. Je descends encore, hein. C'est devant vous que je fais, hein. C'est pas derrière quelqu'un. On va aller tout doucement. Il est où même son invitation là? Attendez, hein. Voilà. Il est là. Ça, c'est le compte Facebook de Apoutu. Chose que je ne voulais jamais faire, ni afficher la page de cet imbécile, mais je suis obligée pour vous, en fait. Parce que je suis dans la vérité. Apoutu m'a invité à aimer la page de la fille. Il y a très longtemps. Parce que vous avez vu combien de trucs. Putain. Oh là là. M'a invité à aimer la page de la fille, de la pute gabonaise, et que je n'ai jamais accepté. Je vais faire un exemple bête. Je vais accepter la page de quelqu'un comme ça, que je vois quelqu'un simplement, une personne que sa tête me plaît. Bon, attends. Ici. Bon, vous voyez, Citalago Russe. Ah bon, je ne sais pas c'est qui. Ben, je vais, vous allez voir, hein. Je vais accepter son invitation. Voilà. Quand tu acceptes l'invitation, c'est comme invitation de demande d'amis. Je vais aller directement, je suis sur la page de la personne. Je suis abonné. Vu que j'ai accepté, ça s'est abonné en même temps.
C'est, hein, c'est la, celle qui fait la comédie, là. Voilà. Donc, quelqu'un m'a invité, ou bien peut-être que c'est elle. Donc, on va aller... C'est lui, du moins, c'est un garçon. On va aller, je vais vous montrer autre chose. Oh, putain, non, 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 non. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, je vais sur ma page Solidarité Obligée. Ça, c'est ma page de ONG. Vous voyez, non? Ça, c'est ma page Solidarité Obligée. Je vais vouloir inviter, pour inviter des gens. Ici, on dit inviter des amis. Je clique sur inviter des amis. Je sélectionne tout. Ici, c'est marqué tout, non? Je clique sur tout. Tous ceux avec qui je suis ami sur Facebook, je fais envoyer. Tout le monde, on dit envoyer, invitation envoyée. Donc, tout le monde va recevoir une notification de que je les ai invités à aimer ma page. Après, hier, j'ai fait une capture de camp, Bertha. Je vais vous montrer la capture. J'ai fait une capture de camp. Voilà. Hier, à 2h du matin, j'ai fait une capture de camp. Voilà. Quand le demain, à partir de demain, ça va me mettre là, ça va plus me mettre la capture là. Ça ne va plus me mettre 2h44 aujourd'hui, hein, mais ça va changer seul. On me dira que la capture a été faite de telle date. Donc même, façon il m'a invité là, je peux faire une capture et puis venir sur Facebook pour dire que quelqu'un peut venir faire une capture et puis venir sur Facebook pour dire que non. Voilà, à Poutou et à... Allô? Je suis en direct. J'ai coupé parce que j'allais vous rappeler. Donc, quelqu'un peut dire, je peux venir faire une capture. Et puis, il dit que, vous voyez, non, aujourd'hui, Apoutou m'a invité à aimer la page de la fille. Pourtant, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, il m'a invité. Donc, la stupidité, ça prend trop de l'ampleur dans votre vie. Et je n'aime pas. On va aller sur la page de Apoutou tranquillement. Voilà. On va aller sur la page de Apoutou. On va aller sur la page de... Là, je suis sur la page d'Apoutou, hein. Agbré Stéphane. Je suis... Oh, les gens de Snap vont me tuer. Je suis sur sa page. Je suis sur sa page. On va aller tranquillement, doucement. Et je vais sortir quand il a fait son direct, là. Voilà. Donc, c'est là, là. C'est, regardez la date où il a fait son... Voilà son direct, là. Hein. Voilà le direct d'Apoutou, ici. Je viens en haut où il y a deux points là. Je clique. Je fais modifier. Je fais copier-coller de son direct. C'est-à-dire, je copie comme ça. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas coller, copier, c'est que vous ne savez pas. Ah, tu avais fait un premier direct ce jour-là. Et ils l'ont appelé. Il a coupé le direct. Donc, quand il a coupé le direct, la personne a eu le temps de copier son premier test qu'il a fait là. Parce qu'il était au téléphone. Comme le direct s'est coupé, il est revenu sur son portable pour supprimer le direct et puis refaire un autre direct. Donc, la personne a eu le temps pour copier son test. On va aller, ou même pour écrire pareil que lui. On va aller tout doucement. Je viens sur ma page Solidarité. Solidarité, ici. Hein. Je suis sur ma page. Hein. Je suis sur ma page. Bon. On me met créer. Non, ça, c'est créer un événement. Voilà, on me met ici, direct. Donc, je clique. Comme si je veux me mettre en direct. Voilà. Comme si je veux me mettre en direct. Je viens, je tape dans la barre. Je fais copier. Vous avez vu, non? Il fait coller. Et je me mets en direct. Regardez, hein, j'ai lancé le direct. Hein. Là, je suis en direct, là. Avec le même test de Apoutou. Avec le même test de Apoutou, j'arrête le direct. Je partage. Je sors tranquillement. Je viens ici. Dans mes notifications. Attends, je vais recevoir ça forcément, la notification. Où c'est même Solidarité là? Bon, attendez une minute, hein, je vais aller. Hier, j'ai fait les captures.
Hier, j'ai fait les captures, mais bon, je vais faire. Là. Vous voyez qu'on me met solidarité. Obligé. Avec le même test que Apoutou a fait là. On me met en direct. Donc, tu fais la capture de la notification. Et tu viens faire croire aux gens que... Oui, là, là, ils peuvent venir. Venez, oh, venez, oh. La page solidarité, là. Apoutou a admis là-bas, hein. Il est venu faire direct. Regardez, c'est le même test. C'est le même test. Ouh, Apoutou a admis sur la page solidarité. C'est le même test, hein. Voilà, comme il a admis, il s'est connecté, il a fait le direct. Il s'est rendu compte, il a coupé. Attends, c'est moi, il vient de faire ça, hein. C'est moi, il vient de faire ça. Hein. Voilà ça ici, le même test. C'est comme vous montre là-bas, là. Comme vous ne réfléchissez pas aussi. Voilà ça. Hein. Je peux venir tout à l'heure. Vous voyez le même test, là. Il a écrit, urgent, profanation. Voilà ça. Voilà la capture. Voilà, non. Vous voyez le nom, non, solidarité. Il s'est rendu compte. Il a admis sur solidarité. Il s'est rendu compte. Donc, je vais aller maintenant vous montrer leur mamaille. Je vais aller vous montrer leur mamaille. Moi, je n'ai jamais vu qu'on fait capture de notification si ce n'est pas le capture du direct. S'il était en direct sur la page, on n'avait pas fait capture de son visage. J'ose comprendre. On va aller tranquillement. On va aller tranquillement, Stéphane, parce qu'il y a une personne dans leur groupe là qui les a trahis, malheureusement pour eux. Qui les a trahis, donc on va aller tranquillement. Donc, ils se sont levés. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une page avec le nom écrit pareil de la fille. Vous voyez ça, c'est la page de la pute gabonaise. Ils ont créé une page comme ça. Ils se sont mis en direct. Ils se sont mis en direct. Là, là, c'est sur la page. Hein. Ils se sont mis en direct sur la page. Et ils ont fait la capture. Parce que parmi eux, là, il y a une personne qui n'a pas supporté. La personne est venue les vendre. Voilà, vous allez voir que là, ils sont en direct là. Ils sont mis en direct, ils ont fait la capture avec le même nom de la fille. Quand ils ont fini, ils ont fait la capture. Pour faire croire aux gens que, voilà, 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 voilà. Voilà ça ici, voilà le direct, voilà le test, voilà le nom de la fille. Comment ça se fait? On tape le fait, la page ça là, ça n'existe plus. Vous savez qu'eux, ils sont forts dans prendre créer les pages. Là, là, ils ont créé une page des anus ouverts. Avec la photo de mon grand frère Yaka. Vous voyez un peu ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez un peu leur stratégie. Vous êtes des bébés. Vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes des bébés. Parce que vous êtes les seuls qui ont reçu ces notifications-là. Bon, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont abonnés aussi sur la page de la pute gabonaise. Parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils vont s'abonner sur cette page-là. Voilà. Toi, tu es abonné sur toutes les pages. À une personne que tu dis que nous, on ne compte pas dans ta vie. Toi, tu es abonné sur les pages. Yeah. Alors là. Donc, voilà un peu. Je fais la capture, je viens, je raconte n'importe quoi. Vous voyez, mais moi-même, Aya Robert, là, il m'a invité à aimer la page de la fille il y a combien de temps, je ne sais même plus. Et il n'est pas la seule personne, mais moi-même. Voilà. Même moi-même, voilà. Vous voyez, non? Là, là. Je rentre dans mon Facebook. Et je viens dans notification. Ça, c'est dans notification de mon Facebook. Hein. Ça me met urgent, urgent. Et puis maintenant, je fais capture de notification. Là. Je vais faire ça devant vous ici. Je vais faire capture de la notification. Et puis, je viens raconter n'importe quoi aux gens. Sans rentrer dans le Facebook pour voir. Normalement, tu dois rentrer dans le Facebook comme ça. Normalement. Tu dois rentrer dans le Facebook. Quand quelqu'un en direct net, là, tu es tout à l'heure, je suis en direct. Même une minute que ça coupe, les gens voient ma tête directement. Voilà. Avant que j'aie coupé le direct. Mais c'est une minute, on voit ma tête. Je n'ai jamais vu qu'on fait capture de notification. C'est ma première fois. Ma première fois d'entendre ça. Mais bon, c'est pas grave. Allô? Je vais aller supprimer le direct là sur ma page. Donc vous voyez un peu la stratégie de la mamaille. Et puis ça là, c'est la pétasse là. C'est la femme qui a corps froissé là. La femme qui a corps froissé là, c'est elle qui a organisé tout ça.
C'est elle qui est... Parce que même sur les captures qu'il vous montre là-bas, là, c'est le nom de la dame qui est en bas de la capture. La femme frustrée qui aime activer la haine, fait les trucs là. Donc, vous dire que vous qui m'appelez, moi, j'ai rien à foutre à organiser quoi que ce soit. Vous connaissez la page de la fille là. C'est pas ça, ces deux photos de profil sont pas comme ça. Je pense que c'est une vidéo qui est en haut de son truc. C'est des plaisantins. C'est moi qui dis ça. Ce que vous faites là, vous pensez que moi, je peux faire plus pire. Mais moi, je suis dans la vérité, ce n'est pas dans le mensonge. Je suis dans la vérité, je ne suis pas dans le... Copier un test et puis aller reproduire. C'est-à-dire que vous avez pris le temps, tellement vous intéresse. Tellement tu vous voulez faire quoi aux gens? Que nous, on n'est pas de bonne moralité, on n'est pas... Et même si c'est buzz, ton problème, il est où? Si c'est buzz, toi, ça te dérange en quoi? Va éduquer tes enfants. Va t'occuper de ta vie. Si c'est buzz, ton problème est où? Si c'est buzz là, ton problème il est où? Ça te regarde, ça te dérange en quoi? Ton problème est tes dents pourries qui sont dans ta gueule là. Est où? Prends le temps pour aller placer les dents dans ta bouche. Même si c'est buzz, c'est pas buzz, mais je suppose c'est buzz. Toi, ton problème, il est où? Ça te gratte en quoi? Toi, tu es propre pour venir dire aux gens, nien, 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 nien. Si c'est buzz, ton problème est où? C'est dans ton con qu'on gratte pour faire le buzz, mais il y a quoi? Ton problème, il est où? J'ose savoir où est-ce que... Ça ne te concerne pas? C'est pas tes affaires, ton nom n'est pas dans l'histoire. Ta putain de vie n'est pas dans l'histoire. Même si c'est buzz, ton problème est où? 189 kilos de langue. Ton problème, il est où dans cette histoire? Tu as le nom de ta famille ou bien tu as ta putain de vie qui est mêlée à ça? Ton problème, il est où? Je veux savoir en fait. Ton problème, il est où? Ça diminue ton handicap. Ça va, ça te fait accoucher rapidement. Ton, ta baisse gueule que tu mets dedans, c'est où? Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as pas quelque chose d'autre à faire. Hein? On t'est moyen de délivrer. Je suis venu te dire, écoute-moi grandement, ouvre grandement tes oreilles puantes, là. Tes oreilles un peu de sperme constipé, là. Ouvre ça. Si on ne te calcule pas, là, c'est pas la peur. Voilà. Parce que là, vous êtes en train de faire un groupe de « aide-moi à détester ». Tu es sans personnalité. Tu n'as pas de principe. Tu sautes, vous sautez de là à là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne fais pas du « aide-moi à détester ». Moi, si je suis à toi, je fais sur toi par le cœur. Moi, c'est en parlant avec quelqu'un. La personne a ses problèmes avec quelqu'un d'autre, ça ne me regarde pas. Voilà. C'est ça qu'on appelle une femme qui a des principes. Toi, une pourriture comme ça, tu peux venir influencer qui? Tu es influençable. Tu n'influences personne. Tu n'es personne. Tu n'es rien. Tu es blogueuse de aucune. C'est-à-dire qu'aucun. On va dire même de je ne sais pas. Tu n'es ni blogueuse, tu n'es personne. Même vidéo monde, tu n'es pas. Tu es une grosse plaisantine. Tu peux rien faire. Tu comprends? Tu as dit la dernière fois que quand je t'ai vu au Makori, pourquoi je ne suis pas tombée sur toi? Il faut dire merci à Yaka. Parce que lui là, je dis que c'est un monsieur que je respecte tellement. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour Yaka. Donc il sait tellement me calmer. Ce n'est pas la peur, hein? C'est la considération que j'ai pour lui qui a fait que je t'ai regardé. Sinon, tous ceux avec qui tu étais, il n'y a pas un qui m'effraie. Et puis, te dis aussi que je ne suis pas sauvage. Et tu t'es tout de suite rendu, quand tu nous as vus, tes dents là étaient arrivées jusqu'à baisser ta mâchoire. Tu riais avec nous. Après, tu es sorti, venu faire la manipuleuse. C'est des gens. En fait, tu n'es pas... Il y a des femmes qui en souffrent. Comme ce soir, je vais parler d'un sujet sensible par rapport à une dame
qui est battue au Mali et que les Maliens ne se lèvent pas. Les Maliens vont m'excuser, mais je vais mettre ma bouche dans cette histoire parce que je suis une femme. Mais toi, tu joues avec le sentiment des... Parce qu'il y a des femmes, mes amis, qui vivent, qui sont dans des relations, qui sont dans foyer. Et puis, garçon les laisse pour aller se marier. J'ai vu une fille, là, une dame, là, une Congolaise, là, et Nikita. Même si c'est beurre, ça ressemble trop, bon, c'est pas grave. Si c'est son beurre, c'est que son beurre a pété. Mais elle m'a rendu fière quand même. Que ce soit beurre ou réalité, elle nous a rendu fière. Au moins, dans l'histoire, un jour, une femme laisse un homme pour aller se marier. Ça m'a rendu fière. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes, qui préparent la sueur de leur front. Le gars n'a rien. Son argent attaché au bout de son pagne. Là, il doit prendre pour aller donner, nourrir son enfant là. Quand le gars vient dire, donne-moi 200, il a payé cigarette. Elle détaille son pagne, elle enlève 200 parce qu'elle se dit que c'est par amour, elle donne à son gars. D'un petit galet, le gars réussit demain. Elle apprend qu'il se marie. Il est marié. C'est pas ton cas. Donc, tu joues avec les sentiments de ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont abandonnées par des hommes qui ont des enfants dans leurs mains, qui n'arrivent pas à s'en occuper en Europe ici. Le gars, il finit de les enceinter. Ils font des enfants. Puis le gars laisse les enfants dans leurs mains qui en souffrent, qui ont besoin d'être aidés. Si l'État de Côte d'Ivoire ne les aide pas là, je ne sais pas, elles ne savent pas où elles vont se mettre. Excusez-moi. Allô? Il n'avait pas encore fini, fin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a des femmes qui vivent ça. Mais c'est pas toi. Tu mérites même pas qu'on ait de la compassion pour toi. Et quand je vois des gens prennent, c'est-à-dire que quand je regarde au fond de toi, ton âme pleure. Ton âme est attachée, ton âme est attristée. C'est ça qui me... Parce que quand je te regarde, quand tu fais des directs, puis je te regarde, je ressens en fait... Et moi-même, pour te dire, même quand mon grand Fayaka se lève sur toi, j'ai mal. Après, silencieux, dans le silence. Parce que je me dis que tu as besoin que ton âme soit délivrée. Ton âme est attachée à un âme. On doit te délivrer. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu peux être possédé comme ça. Tu es possédé, mais qui n'en dit pas son nom. Et tu es une femme sans cœur. Hier même, c'était la totale. Passer les un an de plus, tu as laissé l'anniversaire de ton enfant aller fêter dans le kebab pour venir répondre à quelqu'un que tu peux répondre à tout moment. Pas mon grachat va sortir ici comme pour cet imbécile-là. Ah, ma bouche est sèche. Je commence à voir vos comportements de Facebook là. Hein. Là, tu m'as dégoûté. C'est ça même qui me fait venir te mettre à ta place aujourd'hui. Parce que je lui ai dit, mais attends, c'est l'anniversaire de son enfant. Mais attends, tu passes même pas le moment avec ton enfant. Tu n'organises même pas un bon truc pour lui. Tu bouffes l'argent, tu prends l'argent de la CAF là pour faire quoi avec. On te paye chaque fin du mois pour ton enfant. Son anniversaire, c'est dans le kebab, tu t'en fêtes. C'est dans le kebab, tu vas t'asseoir. Aller les faire jouer. Non! Allez faire jouer jeu à des enfants. Ce n'est pas le jour de leur anniversaire. On fait ça. Tu organises un bon truc. Et puis après le lendemain. Mais non, tu n'as pas eu le temps de ça. Tu étais pressé. Parce que tu n'auras pas le temps. Pourquoi tu as organisé un anniversaire dans la maison que tu dois venir faire direct de soi? L'enfant n'est pas important. Donc allons manger dans un kebab vite fait. Ils vont jouer jeu 200-200. Et puis je reviens, je les dépose là où ils sont en train de m'appeler. Puis je fais direct pour répondre à DJ Publicité. Tu étais assise en train de faire l'anniversaire de ton enfant là, mais tu étais dans direct là en train de commenter. Le jour de l'anniversaire de ton enfant, tu n'as même pas le temps pour lui. Tu es dans direct de DJ Publicité de London. Ça ne peut pas attendre. Toi, tu as venu dire aux gens que toi, ça ne te plaît pas qu'ils parlent comme ça de toi. Pourtant, tu ouvres ta grosse gueule là pour faire des directs sur des gens. De toute façon, tu t'assois et puis tu parles des gens. On peut parler contre toi. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es quelle chose? Tu es quel truc? Il y a des bonnes personnes à cause de nous qui disent ton nom. Toi, tu es qui? Une peste comme toi? Une vermine comme toi? Une poubelle comme toi? C'est toi la prostitute, une putana comme toi? Une bateau-mande comme toi qui ne reconnaît jamais? Une mytho comme toi? Tu as tout ça là en toi. Quel garçon qui a voulu être toi? Maudite. Si, c'est moi qui ai dit ça. Prends le temps pour tes enfants là. On t'a pas insulté. C'est toi qui les as accouchés. C'est toi qui les as accouchés. Qui va venir s'occuper de tes enfants à ta place?
Ceux qui t'encouragent, c'est les gens qui sont désespérés. Ils ont besoin d'une guignole comme toi pour animer la journée. Parce que si tu arrêtes là, eux, la vie là, ils vont faire comment? Comme ta proste pute, la vieille connasse qui te suit là, qui est sans vie là. Si tu, elle te manipule pas pour faire direct là, elle va faire comment? Parce que sur tous les directs, on l'a chassé de partout. Tout le monde la chasse. Donc tu es la seule guignole qui peut animer, qui peut faire du DJ dans sa vie. Donc pourquoi elle va t'encourager d'arrêter? Tu sais, on te demande, tu mets, tu es pareil avec elle. Est-ce que tu es pareil avec Lolo Beauté? Tu te compares à elle pourquoi? Tu vois comment ta vie est compliquée? Tu te compares. Quand on parle un peu Lolo Beauté, tu fais alliance à elle. Vous n'êtes pas pareil. Lolo Beauté, elle est venue sur Facebook, on a entendu en tant qu'une des gameuses. Elle n'est pas venue à des nombreux enfants sur Facebook. Voilà. Quand elle était enceinte, elle faisait cette vidéo-là. Elle vendait ses pommades. Parce que elle était enceinte, elle vendait ses pommades. Toi, tu fais quoi sur Facebook? Association, tu t'es mis dedans. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Tu fais quel travail sur Facebook? Tu fais quel travail sur Facebook? C'est pas pour aboyer matin, midi et soir. Nous qui n'avons pas enfants, on peut se lever à 2h du matin pour faire direct. Mais toi, tu empêches tes enfants de dormir. Tu es dans une chambre salon. Tu n'es pas deux chambres salon. Tu es dans une chambre salon. À 2h du matin, les enfants doivent se lever pour aller à l'école. Tu es en direct. À quel moment tu réveilles tes enfants pour qu'ils partent à l'école? Tu empêches tes enfants de dormir. Si tu es en France ici encore là, et que tu as un petit titre de séjour pour te déplacer là, c'est grâce à ces enfants-là. Oui, c'est grâce à eux. Sinon, tu as péri ici. Blanc ne te donnera rien. Parce que tu n'es rien. Alors, il y a des gens qui ne viennent pas te dire la vérité et qui t'encouragent et tu prends des ailes, tu soulèves tes épaules carrées là. Tes épaules, on dirait dalle de maca là. Tu soulèves ça, si on t'a demandé, toi, tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux déterrer quelqu'un. Quand tu nous regardes là, toi c'est ton modèle là qui doit nous regarder. L'homme qui n'est pas toi n'a pas pu, c'est pas toi. Tu es trop petite. On a juste pitié. C'est la pitié. Parce que je dis, Dieu met la pitié, la pitié dans nos cœurs. La colère, la joie. Il faut avoir ces trois choses là. Mais des trois choses là, tu as que la haine. Dieu a désactivé. Parce que tu mérites, tu n'as pas... Ça veut dire que même tes enfants, tu n'as pas d'amour. Et il y a l'amour, c'est quatre choses. Il y a l'amour aussi que Dieu donne. Mais l'amour même, tu n'as pas. Tu es perdu dans les néants. Tu t'es retrouvé la dernière fois sur un direct. Tu n'es pas dirigé. Ta vie n'a pas de direction. Oui. Ta vie n'a pas de direction. Moi, ma vie est tout droit. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite dans ma vie. Tu comprends? La direction de ta vie, là, tu n'as pas ça. Tu fais pitié. Moi, j'ai pitié de toi. J'ai de la compassion pour toi. Parce que tu profites même pas de ta mère. Et ça m'énerve. Parce que nous, quand tu fais fête des mères, là, nous, on n'a pas. Moi, je n'ai pas cette grâce-là. Dans tous les fêtes des mères, je pleure. Parce que la seule personne dont je souhaiterais avoir aujourd'hui, si Dieu me demande tout de suite, là, qu'est-ce que je peux réaliser dans ta vie, il a dit ramène ma mère. Parce qu'elle seule peut me comprendre. Elle seule ne peut pas me juger. Ou d'autres me jugent. Elle me connaît. Elle sait comment m'a éduquée. Mais ta maman, là, tu t'arrêtes, tu l'insultes. Elle n'a pas de mots sur toi. Ta maman est couchée dans ton salon, là. Elle dort dans le fauteuil qui est dans ton salon, là. Tu l'as ramenée pour être ta servante. Même si tu t'as toi comme tu étais, tu ne travailles pas. Ta mère est ta servante. Pourquoi? Au moins, si tu partais travailler, ta mère pouvait être ta servante. Mais c'est elle qui est ta servante, c'est elle qui doit garder les enfants. Une femme qui a mal aux pieds. Elle doit garder tes enfants pendant que toi, tu dois faire direct pour avoir visibilité et puis tu ne gagnes rien. Ce qui me fait mal, c'est que tu ne vends pas quelque chose. Tu ne vends rien, tu ne fous rien. Tu fais que
verser ta salive sur les gens sur Facebook. Tu es une dégoûtante. Tu dégoûtes en fait. Et je vois des gens qui n'ont pas de vie comme toi, qui n'ont pas, qui n'avancent pas, qui n'ont rien réalisé dans leur vie en France ici, qui ont 40 ans, 60 ans d'expérience en France, qui t'encouragent dans des bêtises. Et si on t'a demandé, toi tu peux être calmeur de Aya Marie-Louise Robert, la fille de Monsieur Robert Jean et de Elon Yamessan Simon, tu n'es pas encore née. Petite, tu es tortus, respire. Hey, moi, elle peut te prendre, elle courir à toi jusqu'à jamais, elle respire pas et te dépose. Tu ne me connais pas. Si moi, je suce ton sang là, tu seras anémie forcée. Mais il me dit que je ne veux pas commettre quelque chose. Parce que je peux beau faire. C'est quoi tu peux faire? Tu peux faire la tête. Mais la perdante, c'est toi. Parce que les gens auront toujours pitié par rapport à l'enfant. C'est vrai que toi, pour vous, la grossesse n'est pas une maladie. Mais un enfant qui est dans le ventre n'a pas besoin de tout ça. Oui. Un enfant qui est dans le ventre n'a pas besoin de tout ça. Il y a des gens qui sont là, qui ont tout l'or du monde, mais qui n'ont pas enfant. Quand Dieu vous bénit avec des enfants là, considérez vos enfants. Ne soyez pas stupides. Voilà. Mais tu es une attendeuse de l'argent de la CAF. Tu es au premier rang. Moi, depuis ici en France, ici, voilà Dieu, que je meurs. Il n'y a pas gouvernement. J'ai bouffé 5 francs de l'État de France. Je ne jamais allé faire un. Je suis une battante, une femme qui sait. Je ne me bats avec moi-même. Je ne dis pas que je ne vais jamais bouffer. Mais pour l'instant, là, je ne peux pas. Je pouvais m'asseoir comme tout le monde et puis faire des directs. Mais j'ai jugé bon de faire des pubs. J'ai jugé bon de vendre des produits. J'ai jugé bon de chercher l'argent. Je pouvais m'habiller, aller me prostituer. Je pouvais m'habiller, aller faire ceci. Et je préfère dormir et puis vendre mes produits. C'est ça qui fait de moi ma fierté. Au Maroc, je vendais à checker poisson. Pendant que d'autres sont sur talons, ils vont chercher bien là. Je vendais gaba, je vendais à loco, je vendais boisson. Je ne manquais pas de quelque chose. Voilà. Au Ghana, il prend ça quand même. Mais il vient revendre à Abidjan. Oui. Tu comprends? Donc, faut pas. Ils vont te mettre dans le même lot avec des femmes qui en souffrent. Parce que ce que d'après toi, tu fais faire croire aux Ivoiriens ou faire croire aux gens d'Internet ou même aux Africains que tu vis là. Il y a des femmes qui vivent cette réalité là. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es dans du mensonge, tu es dans. Tu prends les gens par l'émotion. Tu manipules les gens sur Facebook. Mais regarde bien dans mes deux yeux là. Oui, mes yeux tirés là. Et mes yeux sont bien tirés jusqu'en haut ici. Mm-hmm. Tu ne peux pas jouer, mon. Tu n'es personne. Toi, ta vie triste là, tu as comparé ta vie avec moi. Contrairement à toi qui dis que tu es comblé d'enfants là. Mais comme ta vie est mélangée, on dirait écouteur de téléphone. Ta vie est en désordre, ta vie est en désordonnée comme ça. On dirait bruit d'assiette. On dirait bruit d'assiette. Ta vie est mélangée, on dirait tonnerre. Quand tu parlais les gens, comme moi, vous dites que je suis dans sous-location. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont l'intelligence d'être dans sous-location. Toi, tu es venu en France, tu allais dormir dans l'hôtel, on te sort matin, puis tu es dans le froid. Je pouvais aussi aller dormir dans l'hôtel gratuit. Mm-hmm. Tu dormais dans l'hôtel où on te sort matin, tu es dans le froid. Moi, je suis venue en France, ce n'est pas connu ça. Oui, je préfère dans sous-location. C'est ça qu'on appelle une femme capable. Oui. Toi qui es venu par passeport diplomatique, là, tu t'es retrouvé dans un hôtel parce que tu ne sais pas te battre. Tu n'as jamais, à part travailler dans le restaurant là, pour avoir plus un seul fiche de paye là. Tu ne peux pas sortir de fiche de paye parce que tu n'as fait que pondre en France pour juste toucher la carte. Tu ne peux pas travailler à la sueur de ton front. Même vendre quelque chose, tu ne peux pas. Tu as voulu faire ONG ici, c'est parti où? On t'a chassé comme de la merde parce que tu as voulu t'encaparer de ça pour te donner de la visibilité. Pourtant, ton vrai visage là, c'est ça que tu traînes sur Internet. On va tout dire de moi. Mais on ne m'arracherait pas. Personne ne peut m'arracher mon courage que j'ai.
Mes parents, même quand ils me regardent là, ils sont étonnés. Parce que je ne suis pas celle-là qui compte sur ses parents. Je peux compter combien de fois mon père a enlevé l'argent pour me donner. Je ne demande pas même. Je ne demande pas. Voilà. Sinon, il peut aller faire rentrer dans l'hôtel aussi. Comme ce que tu as fait. Et ici, là. Même si tu n'as pas papier, tu peux toucher 400 euros par mois. Si tu n'as pas papier, même si tu n'as pas papier, tu t'en vas t'inscrire dans ONG, là. On te donne 400 euros par mois le temps de te truc. Il ne fait pas rentrer pour aller retirer 400 euros. Mais je retire de l'argent. Pour moi-même, dans mon compte, je tape et puis je retire. Je ne fais pas rien pour aller retirer. Je ne dis pas que ceux qui font là, je suis plus mieux qu'eux. Non, mais chacun a son expérience dans la vie. Ça fait des années que tu es là. Moi, je viens d'arriver, je suis venue te trouver en face. Mais ta vie n'est pas meilleure que ma vie. Ta vie n'est pas meilleure que ma vie. J'ai fait l'effort, je vends Plakali. Oui, j'ai vendu Dokunu. Oui, j'ai vendu Akasa. Oui, ça veut dire que je n'attends pas quelqu'un. Mm-hmm. Jusqu'à il a pris fille pour m'aider, pour me dire qu'en France on doit s'aider. Parce qu'il y avait tellement de clients. Une personne ne peut pas faire le restaurant. La restauration, là, une personne ne peut pas faire. Moi, je sortais combien de plats par jour? Je vais aller faire marcher. Je vais revenir préparer. Une personne, j'ai pris une fille qui m'aidait. Ça marche, ça n'a pas marché, je paye son argent. Elle ne peut pas gâter mon nom. Voilà, parce que je ne suis pas gourmande. Je partage avec tout le monde. Quand j'ai une pub, je propose à ces personnes-là d'aller contacter des gens aussi qui sont influencés sur la toile pour faire des pubs. Je fais des pubs gratuites, sans prendre 5 francs. Je suis comme ça. Je n'ai pas de haine. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as besoin d'être soigné. Tu penses que tu peux faire peur à qui? Tout ceux même qui t'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose. Placer le téléphone, parler sur Facebook, tout le monde peut faire. Mais affronter la personne, c'est de ça qu'il s'agit. On est en France ici, pourquoi on doit parler sur Facebook? Pourquoi on doit parler sur Facebook? Pourquoi on doit se faire voir pour emmerder les gens? Il y a des gens qui viennent sur Facebook pour réfléchir, pour voir, retrouver leurs amis, pas venir écouter notre salité là, à tout moment. Moi, j'ai mes objectifs, hein. Oui. Voilà. Si j'ai décidé de ne plus parler de toi, c'est pas la peur, c'est par rapport aux gens qui m'appellent. Parce que contrairement à moi, j'ai été éduquée, toi on t'a élevé. Donc j'ai des limites dans la vie. J'ai des limites. Je ne dépasse pas les... Je ne suis pas gros bras de Facebook. Il n'y a pas mon caparet pour dire que moi, il est fait à ma tête. Non. Quand on me demande de stopper là, quand c'est trop, je stoppe. C'est pas la peur, tu peux envoyer qui? Toi, tu peux me faire pousser les ailes. Tu peux me décoller. Et quand tu te regardes, tu me regardes. Même si on dit que tu es naissant, tu ne peux pas bâtir pour moi. Il peut te chicoter. Moi, il te voit coupe bois, il te chicote comme mon enfant. Tu ne peux pas lever le doigt, monsieur, moi. Il reste plus et puis il te frappe. Moi, il peut couper branche. Et te chicoter branche comme mon enfant. Sans respirer. Pendant 30 minutes, il te coupe ma respiration et te frappe. Il n'y a rien. Mais ça sert à quoi tout ça? Rien. Ça va donner quoi? Rien. On va se retrouver à la police. Parce que c'est en France ici, vous pouvez faire ce genre de choses-là. C'est en France ici, vous pouvez vous mettre insulter des gens. Il y a des filles qui ont violé Abidjan, fatiguées. Je suis allée au commissariat, aller enfermer des gens pour être dévergondées parce qu'elles sont en France ici. Des filles qui ont baisé, violé, des filles qui ne pouvaient même pas m'adresser la parole. Parce qu'on est en France, il y a police, on ne fait pas de violence en France. Elles ouvrent leur gueule et puis elles parlent sur moi. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur qui? Oui, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur qui? Visibilité, vous cherchez là. Ça va caler dans votre gorge. Regardez-moi bien, moi, quelqu'un ne me fait pas peur. Personne ne m'influence. Je ne suis pas une forceuse. Je ne cherche pas. Moi, elle parle de, si elle parle de toi, c'est qu'elle est cause de toi. Tous les stars que je cite là, je dis et je répète, je discute avec eux. Je ne force pas cycle dans quelqu'un. Si je t'aime, je te fais savoir que je t'aime. Et tu vois par A plus B que je t'aime. Je suis comme ça. Tu ne fous rien, tu ne fais qu'emmerder la terre. Tu ne fais qu'emmerder le monde. Tu emmerdes la famille de Kanté. Tu casses les couilles à cette famille-là. Même si on dit que Kanté a mal fait, sans doute venir se mettre avec nous.
je vous l'accorde ça, parce que c'est la mère de ses enfants. Mais quand toi, c'est toi là, on ne se maîtrise plus. Sinon, moi, je suis d'accord que je ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un et puis la personne va se mettre avec mes ennemis. Mais ça dépend aussi. Quand toi, c'est toi là, le gars là, il est fatigué. Tu le fatigues. Tu as bousillé sa vie. Tu as 34 ans, il a quel âge là? Mais tu as bousillé la vie du gars. Tu l'as mis des bâtons dans les roues à tout moment. Tu l'as mis en conflit avec sa famille. Tu as ramené sa famille sur Facebook. Par rapport à quoi? Par rapport à parce que tu as visibilité sur Facebook? Par rapport à parce que tu penses que tu as la grosse gueule? Wesh, ma chérie, va te soigner les dents déjà avant d'ouvrir ta bouche puante là. Je comprends pourquoi quand tu fais direct, il y a personne à côté de toi. Parce que personne ne peut respirer. Il faut que des gens bêtes comme toi là peuvent respirer ta dent. Paye-toi. Tu sens. On peut comprendre que non, quand il a abusé, il n'aurait pas dû. Moi-même, contrairement à moi, si je me mets à ta place, je dis, mais quand tu abuses dans la vie des gens aussi, quand tu abuses dans la vie des gens aussi, Dieu se sait ce que lui, là, il a vécu avec toi. Dieu se sait la misère que tu as dû faire à ce monsieur. Le monsieur se déplace, il vient te voir. Il est assis à côté de toi, tu ne prends même pas soin de lui, tu es en train de faire direct. Pendant que tu es dans la relation avec lui, tu te déplaces, tu vas rencontrer une autre personne. Quand on allait faire vidéo, tu es une femme, c'est un garçon qui se déplace pour toi. Ça, je te l'apprends parce que tu ne sais pas ça. Pour un premier rencard, garde tes valeurs de femme. L'homme ouvre la porte et puis tu rentres. Oui. Quand vous devez prendre un taxi ou bien il a une voiture, il descend de sa voiture, ouvre la porte. Vous partez d'un restaurant, il tire la chaise. Tu as ces valeurs-là, tu le mérites. Donc tu ne peux pas te lever, te déplacer pour un homme, quelle que soit sa beauté. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent là-bas. Si c'est pour l'argent. Si c'est pour l'argent, je suppose, si tu penses que voilà, ou bien, mais un homme, je me déplace pour un jeune comme moi, parce que je cherche quoi? Mes valeurs de la femme, là, je la mets où? Pour aller faire vidéo. Il ne peut pas se déplacer sur Paris. Il s'est déplacé de celui qui est venu nous trouver ici. Nous qui ne drague pas, et puis on allait manger. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois maintenant, l'homme doit toujours se déplacer. Tu perds ta crédibilité. Tu n'es pas crédible. Un homme qui t'a laissé, vous n'êtes plus ensemble. Il revient, tu t'écartes. Sur prétexte que c'est le père de mes enfants. Dis plutôt que tu cherchais en quoi à tomber enceinte parce que tu savais très bien qu'il devait se marier parce que tu as voulu le piéger. Mais ton piège a mal tourné. Arrête de faire la victime parce que tu n'es pas victime. Tu n'es victime de rien. Tu n'es que dalle. Ferme un peu ta bouche puante là. Ferme un peu caniveau d'acouedo là. On sent l'odeur depuis notre position. Tu nous fatigues. Tu ne peux déstabiliser personne. C'est parce qu'on a pitié de toi. On a de la compassion pour toi. On ne veut pas que tu déprimes plus que ce que tu es en ce moment. Quand on te regarde. Toi, tu as ta soif pour te comparer à une femme comme Bleu Brigitte. Tu as ta soif, ta mère même, de toute sa carrière de cochléa. De toute sa carrière de prostitute. Elle ne peut pas se comparer à Bleu Brigitte, ce n'est pas toi. C'est parce que ta mère, là, elle ne vous a pas organisé. Elle ne vous a pas éduqué que tu t'es retrouvé à coucher avec frère. Il y a combien de temps tu es en France? Tes enfants, ils sont à Abidjan, là. Tu ne peux pas les faire venir. C'est toi qui prétends dire que tu aides les gens pendant que tes enfants souffrent à Abidjan. Deux enfants bâtards, tu as déposé, puis tu as pris le bateau pour venir en France. Au passeport diplomatique. Sans le passeport, on voit. Mito va. Quelqu'un qui vient par passeport diplomatique à Abidjan, traîne en France, traîne dans l'hôtel où on te chasse la nuit, où tu dors matin, on te chasse. Quand tu viens par passeport diplomatique, déjà, militaire ne sort pas tes bagages, mais tu es protégé par l'État française. Parce que tu ne sais pas ce qui c'est un diplomate. Voilà. Si tout à l'heure, là, ceux qui sont dans les ambassades, là, c'est des diplomates. Si tout à l'heure, tu as fait quelque chose, que tu cours, tu rentres dans ton ambassade, personne ne peut rentrer derrière toi. C'est la loi de la vie qui dit ça. Donc, les diplomates sont intouchables. Donc, si tu es enfant des diplomates, là, tu ne dois pas dormir dans l'hôtel comme ça. Tu ne dois même pas aller squatter chez quelqu'un. Parce que pour venir par passeport diplomatique, tu dois être enfant de diplomate. Ou bien tu dois travailler dans l'État. Ou bien tu dois travailler dans les ambassades. Ou bien tu dois travailler pour le gouvernement.
pour avoir un passeport diplomatique, on ne délivre pas ça à tout le monde. Ce n'est pas un passeport qu'on donne aux gens au marché ou on ne paye pas ça au marché. Un passeport diplomatique, c'est un passeport qu'on ne contrôle pas. Quand tu montes ça comme ça, tu passes. Oui. Avec les diplomates contrôlent tout. Eux, ils grillent feu. Voiture diplomatique grille feu. A le droit de griller feu. Policier n'a pas le droit de contrôler une voiture diplomatique, même si c'est rempli de cocaïne. Une fois que c'est marqué diplomatique, ils n'ont pas le droit de toucher. Eux, ils garent où ils ne doivent pas garer. Place d'handicapé, voiture diplomatique gare là-bas. On ne peut pas saisir la voiture jusqu'à son passeport. Attendez, je vais bloquer quelqu'un tout à l'heure parce que j'ai vu sa tête. Jusqu'à son passeport. Et puis tu es allé dormir dans l'hôtel en poule rouge où tu sors matin. Quand tu sortais matin, puis tu venais t'asseoir. Bon, tu sortais pas le grand frère de Kanté là. Tu venais chercher quoi sur son chantier. Quand tu es venu en France là, ton grand frère a demandé à la belle-sœur de Kanté et à la sœur de Kanté de t'héberger. Tu foutais quoi à son frère? Parce que Kanté t'a connu dans la mère de son frère. Tu foutais quoi à lui? C'est là-bas on t'a déposé. C'est là-bas on t'a déposé. Donc toi, on te met dans l'hôtel et puis tu veux t'asseoir sur le chantier de quelqu'un. Et que tu n'es jamais sorti. C'est ton père. Ça a lui, ton grand frère, a confié. Y'a moi cet imbécile-là. Tu peux courir dans la tête de tout le monde, sauf nous qui sommes intelligents. Oui, moi je suis très intelligente. Hein. Très intelligente. Moi j'analyse, j'observe beaucoup. Moi je saisis les gens par leur bouche, par ton palais, je sais que tu es une mytho. Et puis pas n'importe quel mytho. Tu penses que tu es une mytho, mais une mytho dégradée, sale quoi. Et il y a les mythomanies là. Quand tu me dis qu'il ment, mais tellement la personne fait, tellement la personne a le chien. Tu n'as pas de chien. Le chien, là, le petit chien en nous là, tu n'as pas. Tu n'as pas de gens. Parce que pour toi, là, ça fait joker. Moi, j'ai un chien. J'ai un petit truc en moi, là. Qui plaît aux gens. Tu n'as pas ça. Tu es inutile. Tes parties qu'on est, tu as avalé tol, là. Les anciens tol du village, là. Tu es bizarre. Tes cheveux, tes mèches, tu mets sur ta tête, on est, tu fais soin, sperme prématuré, là. Et puis encore, voilà un gros mensonge qu'elle a raconté que elle gardait les enfants de la femme, de la belle-sœur de la sœur de Kanté. La sœur de Kanté, elle, ses jumelles, jumeaux, sont nés prématurés. On les a mis dans un coin. C'est que la mère qui a autorisé à rentrer pour aller voir ses enfants. Toi, tu les as gardés comment? Toi-même, tes propres enfants, tu ne peux pas les garder. Tu as chié d'eux, tu as laissé Abidjan là-bas. Tu as oublié qu'ils existent. Tu as oublié que tes enfants, là, ils existent. Pendant que tu étais, quand tu es français, pourquoi tu n'as pas profité pour faire un bon familial, faire venir tes enfants? Mais tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu es stupide, tu es gogol. Tu ne peux pas sortir français, mes enfants ont traîné à Abidjan. Pourquoi? Il y a tellement une bête fille comme ça. Allô? 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 C'est quoi ton nom? Ah bon? Tu n'as pas fait un faux commentaire? Attends, je regarde. Il y a une abonnée qui me dit que je l'ai bloquée. Elle demande son nom. Attends. Toi, tu peux faire peur à qui? C'est tes enfants là, tu peux effrayer.
Tu peux un peu effrayer Mouchko. Et s'il est calmé. Nya, nya, nya. Allô? C'est quoi ton nom, tu m'as dit? Attends, voir. Je vois pas, hein. Non, mais tu n'es pas ici. Faut actualiser ton téléphone, sans doute. Non, non, faut actualiser. Je t'ai pas bloqué. Faut envoie-moi la capture de ton Facebook, j'ai à voir. Une dévergondée comme ça. Tu t'es levé, tu as parlé une fois à faire de Emma Loès. Ben, ça suffit. Tu penses que toi, tu peux faire quoi? Qui? Tu es le tournevis de personne. Tu es la calmeuse de personne. Ok? Va travailler. Bouge un peu tes fesses. Bouge tes fesses. On t'a pas donné les papiers là pour que tu viennes prendre ton gros congrès et puis là. Les gros puits du village là pour faire que des enfants. Et puis tu ne peux pas t'en occuper. Bouge un peu tes fesses. La France là, faut travailler. Faut assurer les arrières de tes enfants. Assure tes arrières aussi, imbécile. Paye des impôts. Arrête de vivre sur le dos de l'État français. Idiote. Soft que tu sois, imbécile là. Toi, tu peux calmer qui? Moi, cette chienne là. Une grosse merde comme ça. Tu peux te comparer aux gens, toi. Tu peux te comparer aux gens. Tu nous as vus. Tu sais que tu. C'est 1.0 même, ça t'a même pas. Ça peut pas chauffer. Regarde-moi cet imbécile là. Une femme qui va se. C'est-à-dire que. On dit gasme. Femme, tu bois ta bite toute la journée. Tu transpires. C'est pas quoi tu fais. Tu fais, disons, tu transpires comme ça, dégueulasse. Même soi, là, tu fais encore direct dans ça. Ça te dérange pas, ça te gêne même pas. Ça te gêne même pas. Et puis, il n'y a pas des gens qui te disent qu'il faut te changer. Tu n'es pas garçon, tu es femme. Tu passes des jours sans te laver. Une pisseuse au lit. Tu pisses au lit. Quand tu dis c'est le même matin, tu pisses et puis tu t'en prends l'eau de Javel, tu verses sur drap là, drap blanc et drap bleu. Hein. Quand tu as fini de pisser, tu dis non. Et puis maintenant, tu prends Javel, tu gâtes drap bleu là. Tu as gâté tous les draps, tu verses Javel sur les draps. Et puis voilà tout qu'on elle fait. On dit elle soulève les oreilles et puis elle crache derrière le lit. Imagine odeur. On dit c'est ce qu'elle fait. Quand elle dit elle peut soulever oreiller ou bien mateler, puis elle crache en bas du lit. Elle dort, hein, il y a crachant dans sa bouche, elle soulève le lit là, et puis elle crache. Donc souvent, maison là, sans, on dirait qu'il y a souris dans la maison là. Il est obligé de faire nettoyer. Il regarde les crachats là, sont collés en bas du lit. Une femme sale comme ça. C'est toi qui peux calmer qui? Pour me calmer, il faut être propre. D'abord, ça c'est la première des choses. Quand je te vois et puis je vois que tu es propre là, je commence à trembler un peu. Et tu es sale. Hein? Et t'as tes dévergondés qui te suivent. L'autre, c'est bras loulou, on dirait. Vous voyez, on dirait une lanceuse de boules. Les gens qui aiment lancer boules au quartier, là. Quand quelqu'un ne peut pas avoir mollet des bouteilles de Jack et puis dit que lui, il y a quel problème? Modèle de skinny. C'est vous qui ouvrez votre gueule sur Facebook. Mais qui? Personne. Même l'homme qui n'est pas vous. Vous êtes qui? Excusez-moi, wesh, mais vous êtes qui? Oh là là. Arrêtez. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me vaut. Il n'y a pas. Je dis et je répète. Il n'y a pas quelqu'un qui me vaut. Je suis Marie Delon. Je suis Aya Marie-Louise Robert. Je suis chinoise de la Yorogang. Une femme très propre. Je ne peux pas porter caleçon deux fois. Je ne peux pas porter habit deux fois. Ça me dérange. Ça n'a rien à voir avec Facebook. C'est pas parce que j'ai envie. Mais moi, je ne peux pas venir placer mon visage. S'il doit venir mettre mon visage sur Facebook, là, je soigne. Il faut que je sois présentable. Il faut que je sois agréable à regarder. Parce que c'est Internet. J'ai pas envie d'effrayer les gens. Quand je sais que mon visage n'est pas habilité à mettre sur Internet, là, je fais direct dans le noir. Parce qu'il y va de mon image. Quand les gens nous regardent, c'est l'image qui compte. C'est l'image. Sinon, les Emma Loès, les femmes, les filles, là, les stars, là, elles vont venir faire vidéo avec visage bizarre aussi. Mais l'image compte dans tout. L'image est très, très importante. Il faut donner une bonne image à ceux qui te regardent. Mais moi, si tu n'as pas envie de me regarder là, on me voit seulement, de toute façon, je suis assise, tu dois me regarder forcé.
Parce que je dégage un petit truc. Tu n'as pas ça. Faut arrêter. Non, mais je te vois pas ici, ma puce. Non, t'es pas là. Faut attirer, ma chérie, si tu... T'es pas ici. Vous êtes un truc qui? Vous êtes arrivé où que qui? Quand tu as là l'école que tu instruis, comme vous le dites là, tu n'es pas dévergondé. Même si quand tu es instruit, c'est-à-dire que quand tu es quand c'est-à-dire que la vie, même quand tu as reçu une éducation, que tu as là l'école, que tu as reçu une éducation là, tu ne tombes pas dans des bassesses. Les gens peuvent parler, mais tu viens parler. Il y a celle-là, celle qui lance boule là, qui lance les grosses boules là, qui a bras des portiers là, les loups portiers qui sont devant les bois de nuit là, les huissiers à gogo là, qui soulèvent les casiers là. Sur ses bras, on dirait une souleveuse de casier de bière, là. Qui dit que je suis classe, et ceci. Tes filles sales comme ça, tu veux te donner un genre, mais qui n'en... Toi, tu vas aller te faire voir ailleurs. Voilà, je suis là, ici, c'est ma télévision. Je parle quand je veux, je me fatigue, je me tais. Voilà. Donc, tu dois avancer ailleurs. Ici. Il faut être fatigué de me regarder aussi quand tu n'es pas fatigué. Donc voilà. Je vous invite tout le temps à aller contacter pour faire les comment on appelle ça, pour faire les surprises à vos gars. Depuis même elle, quand un agent peut payer des badeurs d'euros pour lui donner. Genre les petits cadeaux, on n'a jamais fait quelque chose de romantique pour donner aux gars là. Une boursade villageoise constipée. Wesh. Celle qui parle. Elle n'est pas romantique, elle n'est pas douce. Elle est big, big, big comme ça. On dirait glace dans le congélateur. On doit prendre des placalis pour taper, pour enlever la glace. Tout est congelé sur son corps, rien ne bouge sur elle. Débardeur, petit débardeur chez Zara, 2 euros, on n'a jamais payé. J'en fais petit dîner romantique là. Quand elle n'a jamais fait ça. Parce que quand il est arrivé à Abidjan, là, sa femme a fait un truc. La petite fille est très romantique pour lui. Il ne peut pas vivre avec une femme, on dirait qu'il vit avec manioc. Si, on dirait qu'il vit avec manioc. Il y a quoi? Qu'est-ce pas ça? Le gars, il est dans la relation, on dirait qu'il n'est pas là. Il vient, tout est sale, tout est dérangé dans la maison, les habits sont dérangés, maison là même en bouillabaisse, odeur de crachat a pris maison, odeur de pipi prend les draps. Il était fatigué, comprenez-le. Il était fatigué. Il était fatigué. Les petits trucs romantiques, j'en fais les petits trucs chips pour lui, chérie, les caressages, non. Et la dernière fois, la même, quand elle voulait nous montrer qu'elle a peut-être des chauves là, tout l'angle là, elle a sorti l'angle là comme ça. Viens ta tête, c'est forcé, c'est force. Doucement, wesh. Tu étais trop brutal dans la vie du gars. Le gars, il n'y avait pas de romantisme dans sa vie chauffait pas. La fille, c'est-à-dire que même quand elle va embrasser, quand elle dentier la sort, ça tombe dans sa bouche. Il est tout obligé de dire que va remettre dentier là. Donc ils sont en train de s'embrasser là. Elle va partir, elle va aller placer dentier là dans la douche. Elle va revenir. Il dit tu as bien truc. Parce qu'il ne faut pas m'embrasser, ça va sortir encore. C'est quoi? Seigneur, il y a versé boisson sur moi ici. Une fille bête comme ça. Il y a quoi? Il n'y a pas de douceur dans la fille là, hein? Il était fatigué. Comprenez-le. Même s'il a déconné pour venir nous voir là. Mais comprenez-le, il était fatigué. Hey!
aussi, je ne sais pas parler doucement aussi. Pour tout verser coca là sur moi ici, allez me laver. Désolée, rien nettoyé. Pas tout. Il était fatigué. Comprenez le gars là, il n'y a pas de romantisme dans sa vie. Il s'est mis à dos toute sa famille, excusez-moi. Il s'est mis à dos toute sa famille pour venir être avec une femme qui ne chauffe même pas sa vie. Vous ne voyez pas comme elle est dévergondée? Il n'y a même pas de douceur dans sa voix. Même quand il appelle. C'est le petit truc. Allô bébé, ça va? Bébé, t'as bien mangé? Tu es au travail? Ça se passe bien? Mais non. Allô? Hein? Ah, les enfants sont en train de pleurer ici, hein? Tu viens à quelle heure? Y'a quoi? Y'a quoi? Elle ouvre ses yeux au téléphone comme ça, elle crie, on dirait qu'on n'est pas là, tout l'immeuble. On dit les gens dans l'immeuble ont fini, elles se plaignent, ils ont déposé plein de fatigués. Parce qu'elle crie, elle les dérange. Y'a pas de douceur. Zéro douceur dans la fille, là. Ils n'ont pas de moment de romantique. Rien. Même des badeurs, des badeurs. Alors, j'ai un peu pour lui donner. Il devait faire quoi, elle? Toujours faire habiller quand t'es... Pardon, de quand t'es là. Ça monte jusqu'à ce son ventre. C'est tout sur son ventre, c'est quoi? C'est quand il est parti à Abidjan, là. Ben, il était stylé avant. Mais quand il a connu, là, il était déstylé. Il porte pantalon quand ça arrive ici. Mais ceinture, là, il est jeune. Tu es jeune, tu t'habilles comme les tontons. C'était avec elle qu'il faisait ça, hein. On est, il va s'étouffer, pantalon. Il est arrivé là-bas, la femme a dit, mais calme-toi. La petite fille, là, non. Porte les... Maintenant, il porte les batillots, maintenant. Il porte les pantalons qui prennent bien, les slimines, là. Slimmy, je ne sais pas quoi, là. Il porte ça, maintenant. Sinon, avant, c'était les gros bas, les bas d'œufs, là. Les bas d'œufs des tueuses, là. Les femmes ont un bon cœur, un bon cœur. Une femme peut tomber, les bas d'œufs qui portent, ou bien... Des crises dans le temps là. Aïe, les bas def là. Comme une fille, il n'y a pas de petite musique. Quand il vient à la maison, c'est les loups sons de Ala Thérèse, les loups sont baoulés, les sons des fétiches là, les sons des trucs, comment on appelle ça? Quand on prend pour danser combien? Oye, c'est ça, elle met dans la maison là, il n'a qu'à écouter. Pourquoi? C'est une petite pensée. Mais les petits garous, les Céline Dion va écouter un peu. Il rentre dans la maison, c'est son des combien là, mais. Les sons des combien là, c'est ça, lui, il rentre dans la maison, lui, il vient dans la maison, il doit venir écouter son des combien. Ah! Faut arrêter. Il était fatigué. Comprenez le gars là. Il a mal fait d'être devenu un nous parce qu'il a des enfants avec elle, je comprends. Je comprends votre ras-le-bol, on vous l'accorde. Mais il était fatigué. À son jeune âge, il a connu à 22 ans, il porte pantalon qui arrive vers son cou. C'est quoi? Attends, vous voyez les pantalons même qu'il portait avant. Vendredi, on l'emmène dans le coin de Zouglou. Vendredi, où on doit aller au restaurant, manger bien entre nous, aller en boîte. Vendredi, on l'emmène au Zouglou. Attends, Zouglou, c'est dimanche. Vendredi, elle amène un coin de bruit de Zouglou. Il était fatigué. C'est ça, il a déposé. Il a un tout chic. Ça te fatigue. Une broussade comme ça, t'as parlé de moi. Moi, je suis une fille choquée, une fille de Macori stylée. Quand on me dit que tu es une fille de Macori, je suis choquée. Tu peux pas être une fille de Macori, puis tu as porté. C'est bon. Toi, de toi, moi, la dernière fois, tu as porté une jupe, là. C'est quelle jupe? Non, on n'a qu'à parler sérieusement. C'était quelle jupe? Tu as porté une jupe qui s'allumait sur toi. Les vendeuses de pain sucré, là. C'est quelle jupe? Il y a une jupe que tu as portée qui s'allumait sur toi, là. C'est quelle jupe? C'est quelle jupe? On a les petits qui vont pain sucré, qui portent chaussettes, disent quand ça arrive ici, et puis les jupes, là. Toi, s'il y a bon chien, ça te poursuit. Tu peux fondre sur le soleil, c'est quelle jupe? En 2020, toi, tu peux porter chip ça là. Toi, en 2020, il y a ton nom. Il y a loup nom qui est sur toi. Pourquoi ta vie ne sera pas loup?
C'est quelle façon de t'habiller souvent qu'on s'excuse, s'excuse. Yaga dit quoi? Oh, Yaga va me faire. Pardon, il y a vu ton commentaire, vite fait. C'est quel jupe? La petite jupe chic des filles, des jeunes filles. Non! Tu es une jeune maman, pourquoi tu t'es fait en vieille? Moi, une fille choco de ma gorille a tué. Moi, un tue dans Fupéry. Moi, là, même si c'est chinois, c'est un sur moi, ça déjà. Ça, c'est pas habillé pour sortir. C'est à la maison. Mon petit collant, mon petit t-shirt. À la maison, tranquille. Petit collant, petit t-shirt, ça déjà. Et mes sandales dessus, tranquille. Petit maquillage léger, ma coiffure. Non, c'est quoi? Toi, tes t-shirts de publicité de close-up, tu aimes porter là? Publicité de BF là? Tu as mes t-shirts de les anciens beurs là. Une fois tu as porté un t-shirt d'ancien beurre, les beurs avant là. Une femme, ta vie, il n'y a rien de romantique. Une gawaz villageoise. Tu as parlé moi. Tu as parlé moi une fille hier comme mon conseil parlait moi. Tu as parlé moi une fille hier. Moi aussi hier qu'il n'y a pas. Moi petit sur mon corps là, ça ne chauffe pas. Pour laisser. Tu es comparé à moi. La dernière fois, j'ai vu à Facebook, on m'identifie sur Facebook. Et on me dit que Akpama en direct. Je mets le jupe qu'Akpama pour tu sais pourquoi. Et puis les abonnés, là, vous êtes tout mauvais, la fille, là. On ne fait pas ça. Mais si vous ne nous aimez pas, dites la vérité. C'est quand jupe vous l'avez laissé porter là, depuis elle fait ça soit à terre comme ça, jupe, là, l'assise qu'on zouba. On y a les vendeurs de pain sucré, là, il restait chaussettes seulement avec une paire de crêpes en bas. Jupe là s'allume si elle comme ça, elle allumée comme ça, puis elle assise, on lui demande, elle est trop sapée, elle est trop habillée, son label en tripé direct. Elle est dans son 31. Pour aller de Aya Robert, Yaka Yaka, tu es malade. Tu es malade. Oh, tu portes des habits qui s'allument, tu es en face, on dirait que tu habites à côté. C'est toi qui viens de te comparer aux gens. Toi, tu me connais. Si moi, je suis assis sur toi là, tu dis, tu vas même pas respirer, tu me connais. Moi, je ne suis pas gawaze, moi, je suis une fille de Makori Choco. Oui. Toi aussi. Y'a c'est moi, y'a soit pas sale. Y'a c'est trop stylé. Mon petit style, y'a ta petit style. Moi, mais j'étais à Abidjan pour m'appeler Bengis. La Bengis. Avant, mon nom, c'était Marie la Star. C'est après, ils ont mis Marie Delon. Y'a change de nom, je suis comme Yorobo. T'as parlé, moi. Une fille gawaz désespérée comme toi, comme ça, gaou. Une fille gaou gazère comme toi, comme ça. Une fille gaou gazère comme toi, comme toi, tu parles à moi. Tu as besoin de mettre jupe qui s'allume sur ton fait direct. Sur ta demain, puis tu en diras, tu cours comme ça. Couple, diras, tu as couru, ça fuit. Voilà dans là maintenant qui t'a trahi dans ta bouche. Ils ont fait capture, bah, on a vu dans là. C'est forcé. Les amis, je vous rappelle, je dois prendre mon bus. C'est toi qui commandes ton téléphone? Mais tu cours comme ça, tu transpires dans direct là. Attendez, hein? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Gawaze, villageoise, tout bordel. Tu es malade. Toi, tu es malade. Toi, tu parles de qui? Moi, c'est ta camarade. Imbécile. Yassi ta camarade, comment toi, jeune fille, a décoration de ta maison? Toi, tu es pas Thérèse ou bien? Toi, tu es pas Thérèse. Hein? Toi, tu es la sirène des eaux pour avoir maison remplie de bambou comme ça. C'est pas grave, quoi. Et la décoration de ta maison, où t'as soif, dire, c'est pourquoi? Hey! Tu es la femme du féticheur. Tu es la femme du féticheur du quartier. Il y a photo de tes enfants, tu as bien encadré sur les murs là, tu mets ça dans je sais pas c'est quoi tu habites derrière toi là, les photos sont dans l'assiette en haut. Oh, tu es mauvaise. Toi tu as pas les mots, toi tu es malade. Photo des enfants, tu as pas bien fait pour déposer sur mettre un côté du mur bien, payer une bonne table à télé, tu déposes des photos des non. Toi tu as déposé ça dans les bambous. Derrière assiette est là. Où les passeports des enfants sont en haut. Toi-même, c'est que tu. Il y a quoi? Donc, ça t'a demandé ta maison décorée comme ça. Tu as tué. Oui, tu as tué la décoration de ta maison. C'est pourquoi? Toi, tu es génie ou bien?
C'est à toi-même, là, demain, si t'es génie. Toi, tu es la femme du féticheur. Ou bien tu danses combien? Pour avoir jeune fille, toi, ton âge, 35 ans, t'as pas encore 40 ans, comme tu as décoré ta maison. C'est pourquoi? Une broussante comme toi, comme ça, tu ouvres ta gueule. Et puis, en plus de ça, tu es jeune. Et puis, tu ta bouche qui est vide. Dans les bizarres, ça change de couleur. On est caca mouche dessus. C'est toi qui parles des gens, tu es malade. Tu es malade. En 2020, là, une femme peut parler puis elle transpire à grosses gouttes d'eau comme ça. Et puis tu ouvres tes yeux, même pas de classe, même pas un petit gens. Tu as porté un bille qui s'allume, tu es allé t'asseoir à terre. Et à la dernière fois, avant, c'est où tu courais comme bête là. Ce truc qui est dans tes pieds là. C'est pourquoi? Pantoufle de maison là. Toi, tu as pris ça pour sortir. Ah, ça c'est pour maison, c'est pour salon. Et puis c'est bien sale dans tes pieds. Tu es allé t'asseoir à un côté tellement le gars pour qui tu veux parler est trop important pour ta vie. Tu calcules même pas ton image. Ah, tu es malade. Tu es malade. Bécile. Il y a ta grande soeur aussi, Zouba Zouba, la dernière fois, elle a un gros collant comme ça dans son cul, là. Dans un report, des gens, vous criez. Elle crie, hein, eh, oui, j'arrive, allez-y, un report. Même pas de douceur. Et puis tu as arrêté dans un repas où on est venu chez chacun de chez ses parents. Tu as lancé direct. Dans un repas parce que tu n'es jamais venu par avion. Tu ne connais pas. Avion, tu n'es jamais monté, ma chérie. Moi, avion, ici, monté fatigué. Ma maman s'appelle, ma soeur s'appelle Vanessa Bié d'avion. Elle finit à payer les billets, on va au Mali. Toi, pendant que tu marchais, tu prenais la route pour aller au Mali. 3 jours, 4 jours là. Nous, on va au Mali, elle vole. Toi, tu es bête. Et puis tu as arrêté dans Roissy, pourquoi on parle de traiter de soi? Et puis tu cries, ta soeur aussi crie. Puis tu es en train de filmer, genre, tu n'es jamais monté dans l'avion. Toi, tu es malade. Une fille gao gazelle comme toi, comme ça, tu vas te comparer à une fille choco comme moi. Moi, je suis choco, puis déjà. C'est mon nez là seulement qui me tue, mais ça me va. Une fille qui fait 1m74 qui associe tout. Même mes dessins et mon supermarché, et tu. Même si elle tâche pas, ça fait style sur moi. Une femme qui ressemble à drager tra-tra comme ça, vilaine de son état. Toi qui ouvres ta gueule et tes seins qui arrivent sur tes pieds là. Hein? Femme batio. Avec ta vilaine femme batio là. En haut est gros. Pour toi là même là. Pour toi là, je ne sais pas si on dit en bas. Non, pour toi c'est en bas qui est gros, en haut est petit. Femme batio. Là tu as forme d'ancienne bouteille de coca là. Tu vois les anciennes bouteilles de coca qui ne se cassent pas vite là. C'est le modèle de la forme là que tu as. Tu vas parler une fille qui a forme guitare. Ça va pas. Tu as bouché quelqu'un. Pécile là. Pourquoi tu as apporté une jupe qui s'allume trapèze? Jupe là s'allumait sur toi comme ça. Si tu avais chien là, tu étais dans le problème, hein? Ah ben les chiens là, eux, ils vont voir ça en jouer, hein. Ils vont venir te mordre pour tirer la jupe sur toi et puis tu es nu dans la rue, hein. Ah, chien peut te poursuivre à cause de ça là, hein. Parce que les bruyants là, ça appelle les chiens, hein. Faut plus jamais tu vas faire ce genre de comportement là, c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon. Faut arrêter, la personne qui te conseille mal, hein. Tu sais, les chiens là, tout qui s'allume un peu comme façon les jouets de Chine là. Eux, ils jouent pas avec, hein, ils pensent que c'est amusement. Eux, ils courent avec, hein. Un chien va te poursuivre et puis tu vas dire que le chien t'a mordu. Non, hein, parce que ça, c'est que tu as porté là, ça l'appelle, hein, ça s'appelle chien. Hein. Plus jamais tu as fait ça, hein. Si il y a serpent, même serpent va te truc, hein. Ah, mon cher. Oui, ma soeur. Hein? À la maison. Toi, tu es où? Tu n'es pas venu directement à la maison ici, pardon. Hey. Faut pas y payer. Viens. Y a payé, c'est pas là, n'est pas dans ta main. Tu payes là. L'argent dans ta main, tu me dis, moi. Mais c'est ça, t'as dit, donc là, dans ta main, paye. Il t'envoie. Il y a ma grande soeur qui arrive. Il faut dire, au revoir. Paye, toi, l'expédier pour l'aide, mais. De mes clientes.
Je vous laisse, la famille. Je vais expédier mes colis. Appelez pour passer vos commandes. Voilà. C'est la dernière fois qu'on a vu ton vrai teint. Sinon, où tu t'assois et puis tu allumes lumière sur toi, on est une folle. Tu mets beaucoup de lumière dans tes yeux, puis ça change couleur de ton teint sale. La dernière fois, on a vu ton vrai teint, comment tu es. Tu en es goudron. On est toi, tu nages dans le goudron. Toi, tu laisses pisciner, puis tu nages dans le goudron. Vilaine fille. Bête fille, mouton. Je sais que tu as fait direct. Mais je suis venu dire aux gens. Ceux qui aiment rentrer dans le téléphone, il faut la laisser, il faut la laisser là. Où elle est en train de parler, vous ne faites pas direct pour lui parler. Quand il l'a ramassé bien, où elle va avoir AVC là. Rentrez dans mon téléphone. Vous me dites, il faut laisser, il faut laisser. Une bâtarde, quoi, une chienne, quoi, c'est pas s'arrêter quoi. Qui a peur d'elle? Qui a peur d'elle? Elle peut faire quoi à qui? Hey! Nous, on a commencé à porter les talons 18 cm là, tu as fouillé les têtes dans les mains d'un campus. Hein? Elle a porté les chaussures en caoutchouc des Bellas, là, elle va se comparer à nous. Elle va se comparer à moi. Moi, tout ma horizon 4 me connaît. Il y a une fille stylée. Voilà. Mon petit truc est fait en style. Il y a ce hier quand ça. Il y a mon hier. Putain, moi, c'est hier, moi, mais il y a Gawaz. Mon hier, il me fatigue. Yes, il y a si hier, jusqu'à hier, moi, mais il veut plus être hier, il est Gawaz. Voilà, il est Gawaz. Mon hier, il me fatigue. Yes, il y a si hier, il y a hier, Gawaz. Et si ton hier, ça me fatigue. Mon hier, il me fatigue. Une Gawaz, quand fait Gaou Gazé, quand ton gars vient te voir, tu vas lui mettre les sons de combien pour l'effrayer? Qu'on guesse bon sens. Par rapport à quoi? Une guest bon sens quand elle n'a qu'à écouter pour tout. C'est un petit bien, petit Benguis. Il est venu sur tout petit, c'est un petit chicken gang gosse. C'est par rapport à quoi? Le riz qui n'est pas d'où, dit qu'il rentre dans la maison en temps. Le riz qui n'est pas d'où la malo. Le riz qui n'est pas d'où la malo. Le riz qui n'est pas d'où la malo. Il est qu'elle malo. Il dit, mais attends. La fille, elle se fout de moi bien. C'est quelle chanson? Il n'a jamais entendu ça. C'est un petit Benguis. Et puis il rentre en dit non, peut-être que c'est pas là-bas. Ne riez pas. Ne riez pas. Il essaie de classer. Le riz qui n'est pas d'où la malo. Le riz qui n'est pas d'où la malo. Et puis il est rentré 14 février. Ah! Comment tu peux faire ça? Et puis maintenant tu la vois maintenant dans un pan, il y a ses habits qui s'allument là. Il y a les quais malos. Et puis elle est là. Il dit mais. Attends. Je suis tombée où? Dans la maison d'un fétiche ou bien? Il y a quel problème? Mais combien là t'es fatigué? Mais si tu n'es pas bête là, tu vas pas mettre poudre blanc blanc sur toi, venir déposer œuf devant. C'est quoi? C'est il comprend pas. Tu peux pas si c'est qui fait ça ou bien c'était quoi? Elle a mis œuf sur elle. Elle a mis peut-être tout blanc blanc. Ça c'est quoi? T'es combien de ton village là t'es fatigué? Ah, ta maman doit se lever hein? Parce que tes démons là sont musclés dans toi. Toi tes démons là ils sont devant les églises là. Tes démons sont lourds, ils sont devant les églises là. Ils sont des bodyguards devant les églises. Toi, on prie sur toi, tes démons là. Tes démons là. Tes démons là sont stores. Ils n'ont qu'à prier ça, peut-être, je sais quoi. Le riz n'est pas fatigué, il rentre. Le riz qui n'est pas tout la malo. Le riz qui n'est pas. Il peut se faire une coiffure bizarre sur sa tête. Avec ses habits qui s'allument sur elle. Sa maman ne peut pas bouger un peu pour aller quelque part. Il va fêter l'une 14 février. Sa maman est dans le salon, elle est couchée dans le fauteuil là. 14 février. Même pas bougie qui est allumée, rien qui est allumé. Elle a commandé à checker. À checker, elle finit quand même ça 14 février. Il était fâché. Il a souffert. Le gars a beaucoup souffrance. Il a eu la tort de la raconter. Il a eu la tort. Non, non, non. Quand il y a beaucoup souffrance, il a eu la tort. C'est le We love you, love you. Non, hein? Le gars va regarder. Toutes les lumières là sont allumées. Hein? Un petit côté qui est noir romantique. Puis elle a mis volume maintenant. Le Eric n'est pas d'où la mal. Il dit que lui il croyait pas. Une guesse bon sens 14 février. On peut faire ça, Adam. C'est toi qui as venu parler des gens. Villageoise, ça venait parler des gens. Tu n'as pas hier. Gawaz Boussat.
Ta soeur, là, même elle est partie prendre un blanc qui n'a pas de dents dans sa bouche comme toi aussi. Comment des imbéciles comme ça, vois-tu en France, c'est quoi? Tu prends, tu payes un peu. Des villageois, des gaou gazers comme ça, des broussates. Tu as un autre aussi, il dit, il fait vidéo là. Pour attacher tout d'Orin qui sur sa tête. Tu es mon sang, 2020, là, Orin qui est. Lunettes à minuit, blue lunettes comme ça. Phare de moteur sur ses yeux à minuit là. Et tout d'Orin qui sur sa tête. Lui aussi dit fait direct. Tout méchant, hein? Bouche là. Dagba la quitte là. Quand il parle, la bouche là comme ça. On dirait anus de babouin. Et puis Dagba là. Ça fait paysage sur son visage, sur sa bouche. Oui. C'est Dagba en fait paysage sur sa bouche. Lui la tâche sa tête et puis lui fait direct. Aya Robert, y'a quand même. Et puis parle sur nous. Facebook. Tuez-nous. Tuez-nous, ça va finir. Bonne soirée. Ne faites plus ça. Yo, on dirait petit hibou. Faut même pas dire hibou. Vous voyez les souris mijolettes là. Les souris qui ont longue bouche là. Les souris qui aiment la pampa des pieds là. Les souris mijolettes. Oh Seigneur, non. Vous n'êtes pas bon d'être. Pourquoi vous faites ça sur Facebook même? Je vous ai déplacé le village pour venir mais sur Facebook quoi? Genre le village est sur Facebook. Les commis sont sur Facebook. Les souris sont sur Facebook. Puis la tâche maintenant sa tête. Lui parle. Lui parle, c'est Aya Robert, il y a qu'à déparer. Puis le beauté, puis il parle sur Aputu National. Lui il est fâché. Il a tâché maintenant un truc de Orenki là. Timo, c'est plus, mais il est là. Elle lunette maintenant. Dagba est là maintenant. Bouche de souris, misérette là. C'est elle là maintenant. Y'a de Paris. Et puis maintenant, après quand il finit maintenant la gangamba, la gawaze maintenant vient s'asseoir. Y'a de Paris. Vous me connaissez pas. Y'a dit, vous faites ça pourquoi? On n'entend pas. Facilitez-nous la tâche. Tuez-moi. Ah! On peut faire ça en 2020 là. Sur Facebook. Vous déplacez le campement pour venir sur Facebook pour dire que vous êtes stylé. Vous voulez venir parler sur les gens. Pourquoi? On a fait quoi? Que puis-je faire à Dieu? Seigneur, si on a péché, pardonnez-nous. Parce que là, c'est lourd. On ne peut pas faire ça. Ah! On ne peut pas être là. En 2020, là, sur Facebook, on fait ça. Foula de Renki. C'est pas bon. C'est pas quitte là maintenant, il y a blocage des Ziké. Vous voyez la partie des Ziké là. Quand il fait. Les blocages là. Pas quitte du gars là. C'est concentré, on dirait l'air. Vous voyez les l'air qu'on peut faire Toffi là. De toute façon, c'est concentré là. C'est quoi? C'est pas qui sont concentrés. Tout est rassemblé là. Elle bouge de souris maintenant. Puis il est là maintenant. Il est sale. Babla. Norazi. Puis il est dans Abidjan, là. Lui fait direct sur Aya Robert. Yaka de Paris. Lui fait direct. Si les gens qui sont, les gens qui diassent sur la toile, les gens stylés là, eux, lui fait direct sur. Kout qui est là, là, qu'on a, il appelle Bab là. Lui, il fait direct. Ce que tu l'as demandé, il est trop stylé. Il a trop d'abonnés. Lui, quand il. Non. Vous abusez. Il faut leur donner conseil. C'est pas à nous que vous faites du mal, hein, ça à eux. Parce que c'est pas bon. Il y a des gens quand ils regardent, eux ils ont crise cardiaque tout d'un coup. C'est pourquoi? C'est faussé, blogueur, blogueuse là, c'est faussé. On peut faire ça. On peut faire ça. Bonne soirée. Bisous, je vous aime. Soyez vigilants sur Facebook. C'est pas sur tout vous devez regarder. Que Dieu vous protège, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est important. Prenez soin de vos enfants et de vos vies. Vous ne nous aimez pas, mais nous, on vous aime. C'est de ça qu'il s'agit. Gros bisous à tous et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se prend ce soir pour le direct, le loup direct, parce que je dois parler aux Maliens. Je vais mettre ma bouche dans leur affaire. Bisous à tous.